Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Labo Ascode. Puisque je n'avais pas fait celui de la semaine dernière, vu que j'étais pas très dispo. Hop. Et aujourd'hui, on va donc continuer nos aventures sur ce labo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Labo Ascode? Eh bien, le principe, c'est de faire une maquette, un lab virtuel, donc avec des machines virtuelles, dans le but de quelque part maqueter un peu l'internet mondial et convivial. Et cette maquette, en fait, l'idée, c'est de pouvoir l'instancier à volonté et la détruire à volonté. Et donc on l'a fait avec des outils d'infrastructure Ascode pour que comme ça on puisse, si on veut, la modifier et la faire revenir à l'état d'origine de façon assez certaine, pour être certain que ça remarche. J'avais déjà fait donc le Labo Ascode, c'est un nouvel encodage. Salut Manon, bienvenue. Avant, c'était un Labo Ascode. Oui, effectivement. Alors, ce soir, c'est un petit peu laborieux sur certains outils, d'ailleurs. Il a fallu que je m'y remette plusieurs fois sur OBS. J'ai une petite tablette avec un outil qui me permet normalement de faire notamment les changements de scène directement depuis la tablette. Et là, ce soir, elle a décidé de... Ah, ça y est, elle a enfin décidé de fonctionner. Hop, alors, maintenant que ça, c'est bon. Et parmi les trucs que j'avais encore oublié de lancer, comme d'habitude, c'est bien entendu le schéma du Labo Ascode, puisque normalement, hop, tout ça, c'est schématisé. Salut à toi, Haribo. Alors, voilà, hop, notre schéma, hop, le voici, le voilà. Alors, hop, on va passer comme ça, et donc, comme d'habitude, en début de vidéo, je vous montre le schéma, le petit schéma. Globalement, je crois qu'on avait réussi à tout instancier la dernière fois. Ça remonte un peu, j'ai la mémoire un peu... Eh bien, bon appétit Manon. Donc je disais que j'ai la mémoire qui flanche un peu sur ce coup-là. J'ai remarqué que je n'avais pas commité mes changements de la dernière fois. Faudrait que j'arrive à faire en sorte que je puisse, lors des derniers moments de stream, à faire les commits, parce que sinon, vous ne pouvez pas en profiter. Parce que ce projet, comme pas mal de mes projets avant sur cette chaîne Twitch, eh bien, j'essaye de faire en sorte que ce soit ouvert, et donc que vous puissiez en profiter. Et a priori... Oui, une discipline de commit, tout à fait. Faudrait que je me discipline à ce niveau-là. Alors, je crois qu'on n'avait pas tout fait, finalement. On avait l'ISP4. Non, bah du coup, on va peut-être pouvoir faire l'ISP4. On va peut-être pouvoir faire 5 et 6, en fait, aujourd'hui. Ça va être relativement rapide, vu qu'on a fait le 4. Il va suffire de faire copier-coller. Il y a un Haribo qui dit voir faire des commits au fil du stream quand tu essayes des trucs, quitte à le faire sur une branche temporaire. Est-ce que je... Oui, effectivement, ça peut être une option. Bon, déjà, je vais revoir un petit peu mes modifs. Qu'est-ce que j'avais fait de... Qu'est-ce que j'ai... Ah bah oui. Voilà. Ça, c'était intéressant, ce qu'on avait fait. C'est qu'on avait il y avait des trucs intéressants là dans tous les trucs iOS. Déjà, ça, je vais peut-être faire un commit avec tous les trucs iOS.
Parce que cette partie-là, en gros, c'est justement quelque chose qui nous avait franchement, franchement embêté à un moment. Ça nous avait, on avait eu une aide assez fantastique. De comprendre que par moment, les lignes de configuration de Cloud Init pour VIOS, eh bien, des fois, on n'a pas besoin de mettre les côtes quand ce sont des listes. Et quand ce sont simplement des valeurs, il faut mettre des simples côtes. Donc déjà, ce que je vais peut-être faire, hein, je vais revenir sur mon git status. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un un git add. Et on va rajouter les routeurs. Voilà, ces trois-là. Et donc, voilà. Et donc oui, le truc est ouvert. Comme on peut le lire ici, c'est sur GitHub. Alors, je vais vous redonner le lien vers le GitHub. Hop. Je crois que je suis un peu à l'arrache ce soir. J'espère que ça vous embêtera pas. J'avais aussi envie de montrer un truc, mais je me suis lancé à fond dans je dirais dans la routine. Alors que pourtant, dimanche, j'avais réussi à vous faire un petit truc un peu avant. Hop, donc, la base code, qu'il faudrait que je documente un peu plus, d'ailleurs. Parce que pour l'instant, le README est un peu lapidaire. Et donc, je vous mets ça dans le chat. Hop là. Comme ça, si jamais vous voulez, à un détail près ou deux, si jamais vous voulez, vous pouvez tenter en installant sur votre machine donc libvirt, Terraform, c'est tout en fait. Vous pouvez presque reproduire ce que je fais. Il y aura juste un petit détail, un petit détail, en fait un gros détail. C'est le fait d'avoir l'image de base VIOS. Et oui, effectivement, maintenant, ouais, peut-être créer des branches. Je suis à l'arrache. C'est dans quel département? Pardon? Dans la Louse. Ouais, dans la Louse. C'est une bonne idée, ça, tiens. Le département de la Louse. Et puis, j'ai fait mes études à l'ILAR. International Institute of l'Arrache. Alors, donc, ouais, je vous ai posté le lien vers le GitHub et je l'ai aussi posté sur le Discord dans les liens du live, le lien vers le Discord qui est par ici. Si jamais vous souhaitez voir les autres liens disponibles, notamment les réseaux sociaux et tout ça, vous pouvez faire point d'exclamation socials sur le chat. Pardon? Tant pis, j'ai loupé la blague. Alors. Tac, tac. On a. Bon, alors ça, je crois que je l'avais pas vraiment retouché, donc on s'en fiche. Mais celui-là, il y avait quoi dedans? Hop là. Ah ouais, j'avais désactivé Fail to Ban. Allez. Hop. ISP, donc c'était ISP1, VPS1, failed ban. Voilà. Et ensuite, on a.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tout ça. Tout ça. Donc ça, c'est vraiment... Voilà. Et puis, ça, c'est... On ajoute l'ISP4. Ah, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? The following path as in... Ouais, non, c'est ignore. C'est normal. Allez, hop. Git commit. Et donc, là... Parfait. Donc ceci étant réalisé, on va pouvoir passer à la suite de notre lab. Puisque donc ça on a en gros aujourd'hui, hop, on a tout ça là déjà. Ce que je sélectionne en bleu. Donc tout ça on l'a. Sur la droite, hop, du coup tout ça. Ça aussi. Voilà, on l'a. Et là, par contre, ce que je veux sélectionner, c'est ici. Ça, on ne l'a pas. Pour le moment, on ne l'a pas. Et je pense qu'on va, on va s'y atteler ce soir. Comme ça, une fois qu'on aura fini notre, notre anneau de routeur, on pourra, je pense, s'atteler à des trucs un petit peu plus... ou sur lequel on va peut-être d'ailleurs commencer par réfléchir à ce qu'on va mettre sur justement les prochains... les prochains fournisseurs d'accès simulés, potentiellement peut-être mettre des services à ce niveau-là aussi, ça peut être amusant de mettre un ou deux sites web, entre guillemets, bidons. Donc ça peut être une idée, et puis ben tout piloter depuis cette machine-là. Voili voilou. Alors... ce que je vais faire, c'est que ici, je vais aller dans le répertoire Terraform. Et puis, on va faire un Terraform init. Voilà. Je vais me faire un init moins upgrade. Ça a l'air d'être bon. Donc, j'ai tous mes providers, notamment le provider libdirt, qui me permet donc de pouvoir, avec Terraform, créer des machines virtuelles. Alors, tiens, dans les trucs que je n'ai pas lancés aussi, il y a, bien entendu... le Virtual Machine Manager, et on peut voir que j'étais vraiment à l'arrache la dernière fois notamment, puisque je n'ai pas détruit mon infrastructure de la dernière fois. Voilà. Donc, et bah, ce que je vais commencer par faire, c'est par lui dire bah, Terraform, Destroy, et on va lui dire de faire ça tout de suite, hein, moins auto-approve. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je vais me rendre ici, hop, dans un autre GitHub, la base code, Terraform. J'enlève les fichiers de, on va dire, de backup. Et là, on a tout détruit. Ok, très bien. Et maintenant, je recrée. On va voir si jamais, depuis le temps, ça a posé quelques petits soucis. Mais au moins, si jamais j'y arrive, ça veut dire que ce qui est committé pour l'instant fonctionne. Et ça, c'est rassurant. Et on peut voir, là, pour l'instant, il y a juste les deux routeurs qui ont démarré. Et ce qu'on va pouvoir faire ensuite, donc ici... Ce que je vais sans doute vouloir faire, c'est la partie Terraform. Hop. Ici, on va vouloir faire la partie Cloud Init. À partir de là, là, j'ai mes routeurs qui sont fonctionnels. Enfin, fonctionnels, qui sont démarrés, surtout. Et ce que je peux faire, c'est surtout virsh console... sur celui-ci pour vérifier où est-ce qu'il en est. Parce que là, je me connecte du coup à la console locale et on peut le voir en train de démarrer. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Allez, démarre, petit routeur. Fais-moi plaisir. Alors, ce que j'espère aussi, c'est que pour la suite de ces...
de ces lives. J'espère que j'aurai assez de ressources sur ma machine. Pour l'instant, je garde le serveur HomeLab éteint, parce qu'il fait encore assez chaud. Et comme il fait encore assez chaud, je préfère éviter... Je préfère éviter d'allumer trop de machines. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que d'autres... Ouais, tout... Oh ! Donc, on a pour l'instant les 4 routeurs qui sont démarrés. Les deux DNS aussi. De toute façon, donc, il y a un... Comment dire ? Dans le code, il y a une relation de dépendance. Où globalement, en fait, donc les routeurs ISP1 et ISP2, je vais vous montrer sur le schéma. Donc, lorsque l'infrastructure est créée, en fait... Ces deux routeurs-là sont les deux premiers à être créés, somme toute assez logique. En tout cas, une fois que les réseaux virtuels sont créés, les deux routeurs sont instanciés. Ensuite, sont faits les DNS, la petite machine, la VPS1 qui est là. Et ensuite, c'est les routeurs qui sont faits. Et après, les machines qui sont derrière les routeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux DNS ici vont être utilisés comme serveurs DNS pour tout le reste du lab. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces deux DNS-là pour tout le reste du lab, puisqu'on va pouvoir modifier à loisir les enregistrements DNS, je dirais même les surcharger si on le souhaite, de façon à ce que, si par exemple, je veux créer un site web et avoir un nom DNS à moi, ou voire même remplacer un vrai site, genre, je sais pas moi, au pif, j'ai envie de dire twitch.tv, youtube.com, ce genre de choses-là, à l'intérieur de mon lab, et ben ça pourra rediriger vers une machine interne. Je vous avoue que, alors, je vous promets pas de le faire, mais un truc que j'aimerais bien essayer de faire, comme expérimentation, une fois que le lab sera à peu près monté, c'est justement d'essayer de reproduire, entre gros guillemets, l'incident qu'il y avait eu sur YouTube il y a de ça un paquet d'années. Je sais pas si vous vous rappelez dans les commentaires, je sais pas si vous vous rappelez, qu'il y a eu une année, en fait, il y a eu un fournisseur d'accès Internet dans je sais plus quel pays, qui avaient voulu censurer ou bloquer YouTube. Et en fait, ils se sont mis à annoncer à la Terre entière que YouTube, c'était chez eux. Et résultat des courses, en fait, YouTube a été indispo dans le monde entier. Et par contre, la connexion Internet dans ce pays-là s'est effondrée aussi. Parce que le fournisseur d'accès s'est retrouvé avec tout le trafic de YouTube et ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Bref. Donc du coup, ce serait marrant que, par exemple, je mette par exemple, ISP6 un jour, une autre machine, et puis que je dise, tiens, ISP6, on va annoncer toutes les routes de ISP3, et puis on va voir ce que ça donne. Ça peut être amusant. J'aimerais bien essayer. Après, si ça se trouve, ma maquette fonctionnera pas pour X raisons. Hein. Mais je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Alors, a priori, tout est monté. VaiOS, hop. Ping 1.1, hop. Donc ça sort sur Internet, c'est cool. Hop. BG Ping of Death. Ouais, carrément, Haribo. C'est... Alors, si je prends ISP3, tiens, hop, puis que je fais un ping linuxfr.org, hop, unknown host. Ah, est-ce que déjà un point, ça passe? Ouais, un point, ça passe. ISP3 VPS1. Ah oui, c'est Resolve CTL. Hop là. 10.1.1.53, ça c'est rassurant. Et si je fais ping linuxfr.org. Ouais, il l'a. Donc ça c'est cool.
Ça, c'est très cool. Et ensuite, j'ai quand même mis un VPS sur ISP4 VPS. Hein, ok. Donc, ISP4, ISP4 routeur 1. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Donc lui, il tourne. Si je fais un petit show IP BGP summary, on a donc 10.3.4.1, 10.4.5.2, ok. 65.0.0.3, 65.0.0.5. Et never, ouais, normal. Par contre, lui, il a reçu des messages. Donc lui, déjà, il communique bien. Il communique bien avec son, son pote avant. Ça, c'est cool. Et ensuite, si je vais sur le VPS, ah tiens, il y a un failed unit, cloud final. Oh, oh là, il y a eu un souci. Ah. Et il me répond from 3.1. Enfin, from 10.3.1. Donc 10.3.1, c'est lui. C'est dans ce réseau-là, non? .1, .101. Hein. Ah. Je crois qu'il y a eu des typos. Il y a eu des fautes de frappe parce que ISP4 VPS1, t'es pas censé en 10.3. Bien! Bien, bien, bien. Allez, on va commencer par corriger ça. Donc, à la base, je voulais me mettre ici sur la partie Cloud Init. Et si je regarde, d'abord le metadata. Donc, ISP4, ça, c'est bon. Et si je vais dans le User Data. Dans le User Data, effectivement, on l'a laissé en 10.3. Donc, ça, déjà, on va le corriger. Voilà. Effectivement, je vais le commiter tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, est-ce que par le plus grand des hasards, l'erreur, elle était aussi présente sur le routeur? Donc, regardons dans le user data et a priori, on a quoi? On a ETH0 qui est en bien en 10.4.1.1, ok. Et ensuite, ça c'est le DHCP qui est bien en 10.4.1, ok. Et le name server qui sera le 10.2, d'accord, sur le DHCP en tout cas. Bien. Donc ça, a priori, on n'a pas à le modifier. Bon, je vais pas me casser la tête, je vais pas le détruire pour juste recréer. Remarque, si, je peux détruire juste la... Je peux détruire juste le VPS. Voilà, allez, hop. Donc c'est ça aussi qui est génial avec, avec Terraform, je trouve. On peut détruire juste une partie, on relance un apply, et il va refaire ce qui manque. Voilà, donc là il a créé l'image, donc là normalement il y a la machine qui est en train de démarrer. Donc si je reviens ici, on doit avoir le démarrage, voilà, il y a le démarrage en cours avec Cloud Init qui se lance. Donc ça c'est assez cool. Je dirais c'est même très cool. Voilà, alors là ça veut pas dire que Cloud Init a fini de mémoire. Mais je peux peut-être me loguer quand même. Hop, et si je fais un petit... Ah, voilà. Erreur, couldn't resolve. Ah, il y a encore une erreur. 10.4.10. Ça, ça me semble OK. Si je fais un IP route, 10.4.1.1. Ouais, non, ça a l'air bien. Si je fais un ping,
ça répond. Si je fais un resolve CTL, là il me dit 10, 2. Il m'a dit 10, 2, 1, 53. Ping 10.2.1.53. Il l'a aussi. Il le 1 aussi d'ailleurs au cas où. Donc j'avoue, ah tiens, ça y est, il a changé d'IP. Et dans les trucs que j'installe par défaut, qu'est-ce que je mets déjà? ISP4, VPS1. Si je regarde dans le user data, normalement j'installe iftop, lsof et gitcore. Donc effectivement, il n'est pas installé. Lsof non plus. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit iftop. Bon, en tout cas, si maintenant je fais un ping linuxfr.org, à mon avis, ça va passer. Ouais, ça passe. Bon. Bienvenue de nouveau à toi, Manon. Hop. Alors. Donc là, maintenant, on va être un peu plus tranquille, je pense. Donc, pour le moment, ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier... On va copier ISP4, hop, routeur 1. Non, avant de copier la partie Cloud Init. Alors, ce que tu as loupé, Manon, c'est une erreur de frappe dans le Cloud Init d'une machine dans l'ISP4 qui était paramétrée en IP de ISP3. Donc, pas énormément de choses de louper. Hop. Salut à toi, Senakra, bienvenue. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est copier le ISP4. Hop, on va le copier en ISP5, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Donc, il est passé où le pourcent? Il est là, hop là. Alors, on va remplacer tout ce qui est ISP4 par ce qui est ISP5, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Alors, j'ai les volumes VPS routeur, ok, donc ça c'est cool. Ensuite, le slip. Bah, le routeur 5, oui, bah, on va le faire dépendre... Où est-ce qu'il est mon schéma? Hop là. Le routeur 5. Bah écoute, vu que le routeur 4 il dépend déjà de l'ISP1. On va faire ça. 512 mégas, ok. Jusque là tout va bien. ISP5. Ah bah oui. Alors. Donc on a dit qu'on allait. On faisait la ETH0. La ETH0, ça c'est normal. Donc c'est ça, la sienne. Et on a dit qu'on allait dans ce sens-là, je crois, et qu'on faisait... On allait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça doit être ETH1. Donc là, pour lui, ça va être ETH2. Donc l'ETH1, ça va être ISP5, ISP6. Et là, ça va être ISP4, ISP5. Si je dis pas de bêtises... On va vérifier ça avec l'ISP4 compute. Hop. ISP4, ISP5, ISP3, ISP4. ISP5, ISP... Ouais, ok. Ok, on est bon. Ensuite, on a celui-ci, ISP5... Ouais, ça c'est normal, c'est le... Donc en gros, l'idée, c'est que les machines qui sont derrière le routeur doivent être démarrées après le routeur, pour éviter les ennuis. Salut à toi, Shunji Wang. Eh ben, c'est la fête aux emojis ce soir. Tac, tac, tac. ISP5 net 1. Alors, ce que je vais peut-être faire...
Ce que je vais peut-être faire, niveau RAM, je commence à être un peu... On va voir si ça passe à 512 MB et à un seul vCPU. Parce que c'est juste pour avoir un petit terminal et puis ces machines-là vont pas avoir vocation à rester. Ensuite, une fois qu'on a ça, d'ailleurs je voulais le faire ici en fait. Hop. Alors. Tac. Alors, salut à toi, Renard, Renardo Le Blair. Bienvenue d'ailleurs, hein, First Time Chat. Bienvenue à toi. Qu'est-ce que. Alors, sur quel hyperviseur j'envoie? Eh bien, en fait, j'envoie ça sur un hyperviseur local, puisque la machine est sous Linux et j'utilise libvirt KVM. Et donc, le code Terraform, en fait, s'applique sur la machine locale et crée les machines virtuelles via le provider libvirt. Je peux te montrer ça, justement, dans le main.tf. Hop là, ici, où j'utilise donc le provider libvirt. Et on peut voir ici, au niveau du provider libvirt, qu'on est en qmu:// system. Mais j'espère, quand il fera peut-être un petit peu moins chaud, basculer ça sur une autre machine. Donc à ce moment-là, le main.tf que j'ai ici, je changerai l'URI pour mettre sur une machine distante, en espérant que ça passe. Ce qui pourrait être très intéressant et très instructif, je pense. D'ailleurs, je pourrais peut-être à ce moment-là mettre le truc en variable, avoir un fichier justement, comme on avait vu dans la série de stream que j'avais fait où c'était justement du Terraform aussi, où j'avais fait des trucs comme ça pour m'amuser avec Terraform. C'était sur Google Cloud, je crois. Ouais, on a fait ça sur GCP. Et j'avais tout mis, j'avais fait un TF VARS, je crois. C'était quand même assez pratique. Je pense que je le reconduirai le TF VARS. Donc, là, pour le moment, j'ai juste créé le fichier de configuration qui dit « Eh, au fait, pop-moi deux VM, une VM avec trois interfaces réseau et une autre avec une seule interface. » Et celle qui a trois interfaces utilise l'image de base iOS et celle à une seule interface utilise l'image de base Fedora. Et en plus, pour ce qui est de la machine qui a trois interfaces, on lui a dit, tu t'appelles ISP5 router 1, tu as 512 MB de RAM, tu as un vCPU, et tu dois attendre 30 secondes après que l'ISP1 soit popé. Et ensuite, dans le cas de la machine de type VPS qui est là, on lui dit attends 60 secondes après que le routeur ait popé. Je serais même d'ailleurs tenté de me dire, par rapport au schéma, je devrais peut-être essayer d'avoir une relation de dépendance un peu plus complète. C'est-à-dire que ISP3, lui, il vaut mieux qu'il attende ISP2. ISP4, il vaudrait peut-être mieux qu'il attende ISP3. Et par exemple, ISP6 attend ISP1 et ISP5 attend aussi ISP1. Par exemple. On va voir ce que ça donne après. Hein. Donc, ça, cette partie-là, la partie Terraform, c'est fait. Maintenant, la partie Cloud Init. Donc, je copie tout ce qui est ISP4 Router 1. On va créer un ISP5. Hein. Hop. Voilà, et un ISP5 VPS1. Voilà, et on va faire pareil sur le VPS. ISP5, oui, toujours. Et là, VPS1. Voilà. Donc, alors déjà, ce qu'on peut peut-être faire,
Parce qu'on va refaire notre petit cède, hein. Donc, la petite commande cède pour pouvoir remplacer toutes les occurrences de ISP4 router 1, hop là, par ISP5 router 1. Voilà, oui, ça peut être pas mal de faire ça dans étoile-data. Voilà. On va faire pareil du côté du VPS. Hein. Sauf que lui s'appelle VPS1. Et du coup, lui aussi. Voilà. Ensuite, ISP5 router 1. On va ouvrir le user data. Hop, alors, ETH2. Donc, on a dit qu'on allait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si je reprends le schéma, lui, il est là. Ah, mais en fait, celle-ci, ça devrait être ETH1. C'est ISP5 et ISP6 qui devrait être ETH1. Hop, si je reviens ici. Ouais, c'est ça, ISP5 et ISP6. Ok, c'est bon. Ouf. Donc, dans ce cas-là, ici, on va être en 5.6. Et du coup, je serai 0.1. Ah non, ça, c'est ETH2. Hop. Donc, ETH1. Alors, on va commencer par ETH0. On va essayer de commencer dans l'ordre. ETH0, donc, c'est 10.5.1.1. Et c'est ISP5net. Ensuite, on a ETH1, qui est ISP5 vers ISP6. Et donc, ici, on sera en 5.6. Et ensuite ici, c'est ISP4. J'ai dit ISP4 vers ISP5. Hop là. Et donc là, ce sera en réseau 4.5. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est changer tous les... Avec une petite recherche, là, comme ça. Hop là. On va remplacer tous les 10.4.1 hop, par 10.5.1. Voilà. Ensuite, en termes de BGP, ben, on est dans l'ISP5, donc notre numéro d'AS change. On va annoncer donc le 10.5.1, ça c'est bon. Le 10.5.6. .6, hop. Et le 10.4.5. Hop là. Pas de soucis Manon, repose-toi bien, à bientôt. C'est très gentil d'être passé en tout cas, merci beaucoup Manon. Toujours fidèle au poste. Ensuite, on a nos voisins BGP. Donc nos voisins BGP, bah, c'est très simple. Hein. On va avoir d'un côté l'ISP4 et d'un autre côté l'ISP6, qui n'existe pas encore, mais il va bientôt exister. Donc... Tout à l'heure, ça, ce fichier-là, il venait de l'ISP4. Donc, a priori, j'avais mis le 5 en bas et le 3 en haut. Ce qui veut dire qu'ici, en fait, il faut que je mette là le 4. Hop, le 4. Et là, le 6. Donc, si c'est l'ISP4, ça le réseau. Hop, ça sera 4. 5. Et là, ce sera 5, 6. Hop, et là ensuite on va changer les IP. Donc. Alors, si on a dit que c'était 10.3.4. Donc ce sera. Donc ce sera 10.4.5. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est dire. On va remplacer. Tout ce qu'elle a en bas, le 10.4.5. Donc 10.4.5.2. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux que je mette l'espace. Et je vais le remplacer par 10.5.6. 10.5.6.0. Non, .2. Espace. Hop. Voilà. Et ensuite,
10.3.4.1. Dans le doute, on va mettre un espace en 10.4.5.1. Voilà. Ah, je pense qu'on est bon. Je pense pas qu'on ait fait de typo. Voilà. Alors maintenant, j'ai deux possibilités. La première possibilité, ça va être... Je supprime tout. Enfin, je détruis tout. Et je recrée. Ou alors, je fais qu'une application. Ce qui va normalement me popper juste ISP5 et son VPS. Je pense pour le moment qu'on va se contenter de faire juste une application de la nouvelle conf. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Puisqu'en fait, normalement, bah, les autres routeurs ont déjà la partie routage qui a été mise. Donc, par exemple, eh ben, le routeur ISP4, il va voir arriver l'ISP5 et il va faire « Ah, coucou copain BGP !» Et avec tout ça, et le merveilleux monde du routage dynamique, normalement ça va passer. Et d'ailleurs, on pourra d'ailleurs tester que les machines des autres réseaux arrivent à communiquer. On va pouvoir voir, par exemple, normalement sur l'ISP1 ou l'ISP2, que le routage vers l'ISP5 est possible. Alors oui, forcément, il y a le petit slip de 60 secondes. Ce que je vais peut-être faire pendant ce temps, je vais en profiter pour faire du ménage. Alors qu'est-ce que j'entends par faire du ménage? Hop. C'est tous les fichiers de backup de Vim. Et il y en a quand même un petit paquet là. Et j'efface tout ça. Voilà. Ok, cool. Et là, en toute logique, on a voilà, que la partie ISP5. On pourra revenir dans Cloud Init. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà. Non? Voilà. Mieux. Alors, pendant ce temps, ça c'est fait, c'est ajouté. Donc on va aller ici, et puis on va dire ISP5 routeur 1. Hop, t'en es où? T'en es où, petit routeur? Alors, si je regarde ici, il y a un routeur 1, il y a un VPS 1. Ok. Configuration success. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Hein. On s'était rappelé, même si c'était pas forcément suffisant, que globalement, configuration success, c'était plutôt rassurant. Ok. Alors, je dois faire show interface status, plutôt. Alors, pas status. Je crois que c'est mes habitudes de... Ah oui, c'est Ethernet. Voilà. Et juste comme ça. Voilà. Donc là, a priori, on a les interfaces. Puis je fais un show IP route. Oh, bah voilà, j'ai plein de routes, vous voyez. J'ai non seulement la route par défaut qui a été ramenée. Ça, c'est cool. Et puis, les trucs directement connectés, les autres. Donc si je fais un ping vers 1.1. Voilà. Là, je sors sur Internet. Sur le DNS secondaire de Cloudflare. J'avoue, c'est plutôt rassurant. J'ai 10.5.1.101, avec un peu de chance. Ah non, il n'y en est pas encore. Avec un peu de chance, c'est le 10, non plus. Le 9, hein. Non plus. Si je tente d'ailleurs d'aller faire un petit ping vers le 10.4.1.101. Ouais, ça passe. Ça passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remettre sur le routeur 1, par exemple. Puis je vous fais un petit show IP route. Et on peut voir que le réseau 5, et même le 5.6, sont apparus. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le réseau 5.6, par exemple,
il passe par 10.1.2.2, c'est-à-dire le routeur 2. Enfin, le routeur de l'ISP2. Et c'est logique, parce que pour le moment, dans le schéma, vu qu'il n'y a pas le ISP6, l'ISP1, en fait, il est obligé de faire tout le tour pour aller jusqu'à l'ISP5. Il passe par les trois routeurs là, de la droite pour aller à ISP5. Donc, ce qui sera marrant, c'est que je vais peut-être faire l'ISP6 ce soir, pareil, sans forcément tout recréer. Et ça sera intéressant de voir si le truc reste statique et dit eh, au fait, je vais passer par tout le côté là-bas pour revenir ici. Ou si l'ISP6 va dire eh, au fait, passe par chez moi, je connais un raccourci. Allez, viens, viens, c'est plus court par là. Salut à toi, Lateraluse. Alors, question noob, VirSH plus hosttime de la VM égale SSH sur la VM. Alors en fait, égal, si tu veux dire par là, j'ai un accès console, un accès ligne de commande, oui. Mais ce n'est pas une connexion SSH pour autant. C'est en fait une connexion sur une console série virtuelle. Enfin, virtuelle. C'est-à-dire que mes machines virtuelles, d'ailleurs, je peux te montrer. Par exemple, là sur le VPS, je fais un petit open. Hop. Alors là, si je vais dans les détails matériels, bah tiens, on peut voir, j'ai un display space. Mais tu vois, j'ai aussi un serial 1. Et donc, si au niveau du view, je change la console et que je mets serial 1, normalement, voilà, j'ai un truc. Alors, je sais que c'est pas très gros, je peux pas trop zoomer, mais c'est assez cool. J'ai une console série. Et donc, c'est celle-ci qu'on voit s'afficher. Je préfère utiliser. En fait, ce qui est d'un point de vue, là, c'est purement affichage. En gros, si j'étais tout le temps dans cette fenêtre-là, alors autant je pourrais agrandir, parce que je crois qu'il y a moyen de dire voilà, scale display, paf, donc c'est un peu plus gros si j'agrandis la taille de la fenêtre, voilà, là c'est un petit peu plus gros, mais c'est pas pratique pour le copier-coller par exemple. Et si jamais je mets la console série ici, voilà, tu vois, c'est pas super gros. Par contre, je peux copier-coller, peinard. Je vais revenir sur la console graphique. Hop. Et je vais quitter hop, ici. Et du coup, en fait, là, comme je paramètre en fait mon environnement de terminal pour qu'il soit un peu gros pour vous faciliter la vue, eh ben, je préfère utiliser la commande virsh console. Donc à noter que c'est possible parce que l'OS invité, lui, il a la console série. Si c'était pas le cas, ben, il n'y aurait rien. Ce serait un peu ennuyeux. Super, j'ai tout compris. Bon, bah, génial. Si t'as tout compris, moi, je suis heureux. J'aime quand les gens ont tout compris. Je commence à voir dans mes retours vidéo qu'il fait un peu sombre. Je vais allumer un petit peu plus de lumière et j'arrive. Alors, vu que c'est rapide, je vais même pas mettre de pause. Et me revoici, me revoilà, avec un peu plus de lumière. On va aller vérifier maintenant. On va aller vérifier maintenant notre VPS. Hop. Ah bah non, pas. Enfin, si je commence déjà à faire des typos sur le prénom. Je suis peut-être. Ça va pas être joyeux là. Ah, tiens. Alors, il a réussi à faire ça. Si je fais un petit resolve CTL, il est revenu en 10.1. Ok. Si je tente un ping 1.1,
Ah, il sort pas sur internet. Ah bah non! J'ai refait la même boulette? J'ai refait la même boulette. Non, me dites pas que j'ai refait la même boulette. Ah, tiens. Rancune est en ligne. On ira peut-être le raider, tiens. On ira le raider quand j'aurai terminé. Ah, si, c'est ça, j'ai fait la même boulette. Décidément. Alors, je vais me sortir une excuse, hein, c'est que en fait, le truc étant tout en bas, voilà, je l'oublie. Heureusement, je n'avais pas encore commité. Une fois qu'on est là. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dégommer le VPS et puis on va le recréer. Hein. Voire même, vous savez quoi? Je pense qu'on va passer tout de suite sur l'ISP6. Parce que globalement, ça, c'est de la petite erreur qui va pas. Qui va pas. Enfin, on va pas s'embêter à la retester, ça. Je pense que c'est. Donc, on peut revenir ici, faire un petit git status. On va faire un git add. Ah oui, je suis dans le répertoire Terraform. Hop. Git add. Terraform ISP5 compute. Hop là. Haribo. C'est pas grave de commiter une erreur. Moins grave que pas commiter le fixe en tout cas. Oui, effectivement. C'est effectivement ennuyeux de pas commiter le fixe. On va rajouter donc cloud init ISP5 étoile. Si je fais ça, ça passe. Git status. New file, nickel, parfait. Allez, git commit. Je vais faire la même chose. Ici, ISP4, add new ISP, c'est bien ça. Hop là, on va copier le message. Ça va aller plus vite. Sauf que on va mettre ISP5 hein, cette fois-ci. Voilà. Je push, ce sera dispo donc sur GitHub instantanément. Voilà. Et ben maintenant. Redirection Terraform. On va faire un petit CP de l'ISP5 vers un ISP6 compute. Voilà. Ensuite, on va remplacer tout ce qui est ISP5 par ISP6. Voilà. Ensuite, on a les interfaces réseau, donc ISP6 net 1. On va reprendre notre schéma. Donc, je disais, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, ETH1, ce sera 10.6.1. Et le TH2, ce sera 10.5.6. Donc 10.6.1. Et ici, 10.5.6. À ce niveau-là, normalement, on est bon. On est bon. Et vous voyez, c'est là où je me dis, je pourrais peut-être encore plus factoriser mon code. Je pourrais peut-être. Mais dans l'immédiat, j'arrive à le comprendre, ce code. Je pourrais faire des boucles, hein, je crois qu'il y a moyen de faire... Enfin, on avait déjà fait des boucles, hein, si je regarde dans le network. Vous voyez par exemple là j'ai une liste, c'est comme ça que ça fonctionne les boucles dans Terraform. J'ai une liste et je peux faire un count en fait. Et donc selon la longueur de la liste, eh ben, je crée mes réseaux. Donc je pourrais sans doute faire des listes comme ça de machines, notamment bah, tous les VPS par exemple, je pourrais très bien les regrouper dans un seul fichier. Et dire, vas-y, pour chaque ISP, pop-moi un ou deux ou trois VPS, ou genre, je mets juste les noms des VPS comme ça, et je lui dis, vas-y, pop-le-moi, et alors, je ne sais pas s'il y aurait moyen de me baser sur le nom du VPS pour lui dire, colle-le dans tel réseau, mais ce serait probablement plus difficile à lire. Et en plus, il faudrait sans doute que je rajoute des temps d'attente qui soient différents selon les machines. Donc pour le moment, pour rester simple, je préfère rester comme ça sur mon code. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a la partie cloud init.
Alors, si je fais un VRP de ISP5, routeur 1 en ISP6, routeur 1, il me fait quoi? Ouais, il me fait ça. Ok, super. VPS. Hop. Ok. Si je reprends mes CED, tant qu'à faire, on va aller plus vite. Voilà. Alors. Donc, ISP 5 routeur 1, ISP 6 routeur 1, dans ISP 6 routeur 1, et je fais étoile-data. Voilà. Et on va faire pareil sur les VPS. Enfin, sur le VPS. Voilà. Parfait. Ensuite, on va aller lire. Alors, juste par précaution, peut-être le metadata. Le metadata, il est bon. Et le user data. Donc, ISP6 router 1. Ok. Donc là, on reprend. Hein. D'abord, il y a. D'abord le TH0 qui va être dans le réseau interne au truc, qui est en 10.6. Ensuite, on a dit qu'on faisait 10.6, ISP6, ISP1. Donc là, ce sera le réseau 6.1. Et là, ensuite, on a dit qu'on faisait 5.6. Donc là, ce sera le 5.6. Voilà. Ensuite, lui, tiens, je vais lui mettre 10.1. Hop. Parce que ce sera le plus proche, tant qu'à faire. D'ailleurs, les autres, j'aurais peut-être pu les mettre aussi en 10.1. Bon, on modifiera ça après, hein. c'est pas à la minute. Donc là, j'ai des réseaux, on dit. Alors, 2 points, hop, allez, %S. Donc, je remplace 10.5.1 point, hop, par 10.6.1 point. Voilà. Ensuite, le numéro d'AS pour le routage BGP. Hop. Oublie pas, en bas la clé, 10.1.6. Hop. Alors attends, on va le faire tout de suite, le ISP6VPS1, user data. Hop. Donc là, il est bon, et en fait, c'est ici. Ce sera 10.6. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, on peut revenir sur le routeur. Alors, lui, il dit bien que c'est bon, le bon routeur ID. Et donc, ensuite, on a... là, ce sera... attends, si c'était celui d'avant, celui d'après. Donc là, celui d'avant, le 5, et celui d'après, le 1. Donc, je vais remplacer tout ce qui est 10.5.6.2. Hop. Même 10.5.6. Point. Point 2. Voilà. Par 10.6.1. Non, attends. 10.5. Si je suis ici. Celui d'avant. Alors, mais le 5.6.2, c'est parce que lui, c'était celui d'après. Donc, ça, c'est le 10.6.1. Ouais. Point 2. Voilà. Et donc, lui, ici, ce sera 6.1.1. Et lui, ce sera 10.5.6.2. Et donc, mon 10.4.5.1, ici, on va le substituer. 10. J'ai dit 4.5.1 en 10.5.6.1. Voilà. Et ensuite, ici, les trois réseaux. Donc, ça, c'est le réseau interne. Ensuite, 10.6.1.
On a une, on a un souci là. On a un souci. On a un souci. C'est qu'en fait, dans ces... là, on a une erreur. On a une belle erreur. C'est qu'en fait, je me retrouve avec le même sous-réseau dans les deux cas de figure. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 10.6. Je vais mettre 0.0, en fait. Et d'ailleurs, à la limite même... Alors, je vais le mettre juste ici. Et ensuite, je pense que les autres, je vais peut-être tous les recréer en fonction... Et faire en sorte que le réseau ici soit toujours le 10. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais un jour je fais une interco entre ISP1 et ISP3? Alors j'aurais peut-être tendance à vouloir mettre 10.1.3. Mais. Mais ce serait ennuyeux. Donc déjà je vais le mettre. Lui sera en 10.6.0. Ce qui veut dire que. 6.1 ici. Et là, ce sera 5.6. Et donc, lui, ce sera 6.0. Lui, ce sera 6.0. Et en fait, ici, il faut que je mette 0 à chaque fois. Ah, c'est... Hop. Hop, alors, update source, BGP neighbor, ah bah si, ça c'est bon par contre, 10.6.0, tac tac tac, ok, ensuite, si je prends maintenant le VPS1, bah du coup son IP est plus la même, sera 10.6.0, ici, voilà, le DNS, on est bon. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que sur le ISP1 router 1, user data, lui là, il avait le 10.6.1. Donc en fait, tous les 10.6.1 ici, il faut que je le remplace par 10.6.0. Ah bah non, puisque le 10.6.1, si c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Je raconte des bêtises. C'est ce réseau-là que ISP1 il doit connaître. Je vais quand même revérifier que... Alors, sur le VPS1, je suis bien en 10.6.0, ok. Et sur le router 1... Non, je dis router 1. Voilà. 10.6.0, ok. 10.6.0 partout ici. Le routeur est nana, ça ok, donc 6061. Et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Enfin j'espère. Et donc maintenant on va tenter un apply. Un apply auto-approve. On va voir ce que, on va voir si ça fait des chocs à pic. Oups! Oups là. Alors. Roulement de tambour, est-ce que ça va passer? Donc là, encore une fois, hein, du coup, il ne recrée pas l'existant, il rajoute juste les deux VM et... La question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il va me rester assez de RAM? C'est un peu le... comment dire? Lorsque j'ai fait l'upgrade du PC de stream, donc je suis passé sur un CPU de génération beaucoup plus récente,
Mais par contre, en contrepartie, vu que je ne voulais pas acheter de la mémoire vive, je suis passé de 24 Go à 16 Go de RAM. Pour l'anecdote, si je vous fais un petit htop là, vous pouvez voir qu'on est à 13,8 sur 15,5. Enfin, en gros, ouais, quasiment 14 Go de RAM sur 16. Et j'avoue, je suis assez surpris que la machine ne m'ait pas encore lâché. Tant mieux. Ok, ça a l'air d'avoir démarré. Ça a l'air d'avoir démarré avec succès. On est là. On va aller voir ce que ça donne. Si je vais sur l'ISP6 routeur 1. Alors. Mais ouais, du coup, j'ai toujours un petit monito qui traîne dans un coin d'écran. Et je vois l'occupation de ma RAM à 92% et je me dis, pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne, pourvu que ça tienne. Ok, configuration success. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Tu t'attendais à ce qu'elle... Magnifique, magnifique Haribo, magnifique. Je valide, je valide. Tu as décidé de prendre la place de Manon pour ce soir. C'est plutôt bien réussi. Donc si je fais un petit show hyperroute. Hop là. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est cool. Et si jamais je fais donc un ping 1.1, normalement, ça part. Et on peut voir donc que la route par défaut, elle est fournie par le routeur ISP1, puisqu'il la récupère via 10.6.1.2. Donc ça, c'est plutôt cool. Par exemple, on a... Alors, il a pris via 10.6.1.2. Il a pris tout ça. Donc, il a pris les réseaux 1, 2 et 3. Enfin, les ISP 1, 2 et 3. On va comparer, tiens. Si je viens sur draw.io, voilà. Donc, on est sur ce routeur-là. Et donc, ce qu'il a dit, c'est que les réseaux des ISP 1, 2 et 3 à 3.1. 3.1. Donc, en gros, tout ce qui est là, là, hop là, ne fait pas de trucs. Là, ici aussi. Donc, déjà, tout ce qui est ici, en fait, il va passer par ISP1, ce routeur-là, il va passer ici, ce qui semble plutôt logique. Et donc, pour aller sur le réseau 2.3 aussi et le réseau 3.1, donc pour aller ici en 2.3, il va passer par en haut. Et pour aller vers ici, il va passer par en haut. Et par contre, pour jusqu'au réseau 3.4, voilà, via ETH2, 10.5.6, donc il va passer par le routeur ISP5 pour tout le reste ici. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'il so Oui, on l'a fait sortir sur Internet, ça c'est cool. Voilà. Et ensuite, on va aller prendre le VPS et on va aller voir ce qui se passe. Ok. Donc j'ai un 10.6.0. Ok. Je sors sur Internet. Hop là. Et j'ai de la résolution DNS. Ok. Et donc j'ai bien le 10.1. Ok. Et si je fais un traceroute. Est-ce que j'ai un traceroute? Non, j'ai un transpass. J'aurais pas un MTR par hasard. Allez, sudo dnf-y install mtr. J'aurais peut-être dû rajouter mtr d'ailleurs sur les sur tous les VPS. Je rajouterai peut-être ça après. Si je fais un MTR vers pop, 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 pom, on va dire 192 168.122.1. C'est pas mal ça. Gateway. Est-ce que MTR-N ça passerait? Ouais, ça passe. 10.6.0.1, 10.6.1.2. Ok, donc il passe comme ça. Et si je tente vers 10.3.1, hop, vers 10.3.1, 10.3.1.101. Hop.
Et là, il passe bien par 10, 6, 10, 6, 10, 1, 10, 2. Ok. Ok, c'est cool. C'est très cool. Du premier coup, en plus. Du premier coup. Alors, ce que je pense que je vais peut-être faire dans un premier temps, c'est peut-être rester comme ça sur mes noms de sur les numéros des réseaux. Mais ça pourrait être pas mal que effectivement les points 1, je les renomme en fait, je les renumérote. Ça pourrait être l'exercice de cette dernière demi-heure, tiens. Alors déjà, maintenant que j'y pense, hein, puisque c'est un peu j'ai envie de dire le motto de ce soir, c'est penser à comité. Penser à comité. On va revenir plutôt là. Git add. Alors, ça. Voilà. Did not match. Ah oui. Terraform. Voilà. Voilà. On va rajouter la doc. Et donc 10.6.1.0 était déjà voilà. Parfait. Ce qu'on va peut-être faire. Ouais, on va peut-être commencer à essayer justement de remettre. Ah, si je mets des zéros, est-ce que ça serait utile? Ça pourrait être un exercice sympa, hein. Allez. Donc, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout détruire. Déjà. Voilà. Et ce qu'on va tenter de faire, ce que je vous propose, c'est on va tenter de le faire à grand coup de CED. On va essayer d'y aller en mode vas-y très bourrin. Alors normalement ce sera que du Cloud Init, hein, pas du Terraform. Parce que si je regarde dans un dans le admettons ISP3, normalement j'ai 0 IP hein, dedans. Ouais, j'ai 0 IP. Il y a juste des. Il y a juste à la rigueur des VPS, je crois. Peut-être leur. Mais ouais, effectivement, c'est plutôt classe. Donc, ça va être que du Cloud Init à ce niveau-là. Alors. Si je fais, par exemple, un grep de 10.1.1.0. 10. grep-r 10.1.1 plutôt point dans étoile. Alors donc alors ce que je vais peut-être refaire, c'est refaire le find, hop, voilà, moins delete, histoire d'éviter d'avoir des trucs qui remontent et qui ne nous intéressent pas. Alors on a quoi? On a des listen address, ok. Où effectivement, il faudra changer les trucs. Ouais, effectivement. Donc là, si je veux remplacer tout ce qui est 10.1.1 par 10.1.0, par exemple, ça a l'air d'être faisable.
Ça a l'air d'être faisable. Donc on va le tenter. On va le tenter. On va faire un sed. Donc, alors je vais peut-être me mettre un petit peu plus loin. Hop, voilà, ici. Si je fais un petit sed, moins i, moins e, dans, et ben, étoile, slash, étoile, non, ce sera toujours des user data, en fait. Hop. Et donc, ce que je veux, c'est remplacer, on a dit, 10.1.1, ça, tout ça, voilà. Et on veut le remplacer par 10.1.0. Voilà. Donc là, j'ai plus rien. Et normalement, il m'a tout remplacé. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Donc ça, déjà, ce que je peux faire, c'est faire dans mon draw.io, hop, lui dire ici, 10.1.0. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on a le 10.2.1. Donc, je fais mon petit grep. 10.2.1.étoile. Voilà. Ok. Donc, on va refaire pareil avec mon petit sed. Tout ce qui est en 10.2.1, je le transforme en 10.2.0. Bim. Je pense qu'on va pouvoir le faire pareil avec 10.3. Hein. On va pas se... 10.3, hop, 10.4, 10.4, voilà, 10.5, allez. Et le 10.6, je vais pas le faire, parce que on l'a déjà fait. Donc normalement, ici, je peux modifier mon schéma et lui dire, au fait, ah bah tiens d'ailleurs, lui, son IP, elle a changé, hop, aussi. Voilà, là, on est en 10.3.0, hop, là, on est en 10.4.0, et là, en 10.5.0. Si je fais un petit git status, à mon avis, ouais, il y a de la modif. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que cette modif passe ? Et pour cela, eh ben on va repouper notre réseau. Donc pour rappel, si je regarde ici, vous voyez, il n'y a plus que d'autres VM pour autre chose. Et j'apply. Et donc j'ai 66 objets à ajouter. Donc là... Là, c'est le moment où je vais meubler. Et pour meubler de façon un peu amusante. Renardo, pas de soucis, bonne fin de soirée à toi. Je sais pas si ça fait longtemps que tu es parti. Hop là, ou si tu viens juste de partir. Oh, c'est un truc qui manque en fait sur le chat Twitch, c'est l'horodatage des messages. Raison de plus pour essayer de se connecter au chat Twitch via IRC. Faudrait que je me connecte, je me fasse une connexion IRC, tiens, sur Twitch. Donc, ouais, je disais meublé. Je sais pas pour celles et ceux qui sont là, si vous avez vu mon stream de dimanche, mais dimanche, je vous avais donné un petit aperçu du potentiel futur de mon home lab, celui qui pour le moment chauffe un peu beaucoup et du coup reste éteint ce soir. J'avais récupéré, alors je vais pas vous la ressortir à nouveau, hein, mais hop là, j'avais récupéré une énorme carte mère, voilà, et en fait il manquait des processeurs. Et donc, grâce au fantastique Clément Cavador, que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur le nick @contios_net, eh ben, il m'a passé deux processeurs qui normalement sont compatibles. Les voici, les voilà. Alors, j'ai fait un test vite fait, juste avant le stream, pour voir si je pouvais vous montrer les textes sur les processeurs, mais c'est un peu chaotique.
Parce que là, si je... Je sais pas si ça passerait. Mais non, 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 non. J'ai le retour vidéo là, on voit rien. On voit rien. Si jamais je passe en grand, si je repasse en blabla, hop, voilà. Là, est-ce qu'on voit un truc? Alors il fait bien la mise au point sur mon petit carré de silicium là, mais non, vous voyez pas le texte. Et en fait, c'est donc un processeur, un E5-2630 d'un côté. Et l'autre, c'est un E5-2640 V2. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ben, je pourrais pas mettre les deux dans la machine, puisqu'il me faut deux processeurs identiques. Mais il se trouve que a priori, alors ça reste à tester. Ça pourrait être l'aventure du test lorsque je montrais le nouveau Home Lab, et ben de voir si la carte mère bi-CPU peut tenir avec qu'un seul CPU. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui me propose d'ailleurs deux CPU identiques. Et il faudra que je le contacte pour organiser la récupération de processeurs identiques. Alors, pendant ce temps, nous revenons ici. Et oh! Apply complete. Il n'y a pas eu d'erreur. Ça, c'est cool. Et si je regarde à ce niveau-là, toutes les VM ont démarré. Ok, c'est cool. C'est cool. Je suis toujours en live, a priori. Et vous me... Vous avez l'air d'être toujours là. Donc, hop. Donc, ça veut dire que ma machine n'a pas encore lâché. Ça, c'est plutôt bon signe. Alors, on va commencer avec ISP1, VPS1. Et on va dire... Ah, ok. 10, 1, 0, ok. Ça passe. Linux, ça fait... Name or service not known. Resolve CTL. 10, 1. Ok, il ping. Et si je fais un dig, j'ai dig ou pas? Dig command not found. Ah. Ah. Alors, voyons voir ce qui lui est arrivé à lui. Oula, 2. 10, 1, 0, 53. 10, 1, 0, 53. Ça, c'est bon. 10, 1, 0, 1. Ah. Pourquoi il a 10, 1, 0, 1? Ah, parce que 10.1.0.1, ça doit être le routeur. Ok, il arrive à sortir sur Internet. Et si je fais un ping de linuxfr.org. Non, avec deux. Hop. Si, lui, il l'a. Name. Alors, me serais-je trompé dans le... Ah non, alors avec... Ouais, non, il l'a pas. Il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas. Et si je fais un ping vers... bah, on va faire lui, là. Oh, tiens, on va faire NS2, tiens. Non, il n'arrive pas à l'avoir, tiens. Ce qui veut dire qu'il a pas dû réussir à installer quoi que ce soit. Ce qui est un peu ennuyeux. Et il est 10.1.1. Pourtant il ping. Pourtant il ping. Et lui, est-ce que j'ai dig?
Non, pas de digue. Qu'est-ce que j'avais mis comme config? Alors, je lui avais dit quoi? Ok. Si, bind utils pourtant. Ah, mais s'il a pas réussi à se connecter à Internet. Non, pourtant, listen address. Alors, est-ce qu'il va réussir à se connecter? Unable to find. Alors. RPM-Q bind-utils. Non. Et si maintenant. Parce que bon, a priori, il arrive à se connecter. Hein. Ouais, si, il veut me l'installer. Voilà. Dig at 127.0.0.1 linuxaffaire.org. Ah, est-ce que j'aurais été bourrin à utiliser linuxaffaire.org? Si je le fais dig at 1.1. Ouais, si, ça passe. Mais là, ça passe pas. Système CTL. Status. Ok. Cloud Funnel Network Manager. Ah, je crois que j'ai mon explication, enfin une partie de l'explication. J'ai les lib unbound, mais j'ai pas unbound lui-même. À moins que j'avais mis les DNS mask, j'ai mis quoi? DNS mask. Donc c'est DNS mask. C'est ça, j'ai pas DNS mask d'installer. Je n'ai pas DNS mask d'installé. Si ça se trouve, il ne l'a pas installé. Pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas installé? Pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas installé? Oui, forcément, si DNS mask n'est pas installé sur les DNS, ça va marcher moins bien. Et donc, si DNS mask n'est pas installé et qu'a priori, il n'arrivait pas. Parce que si je fais un. Si je regarde à nouveau mes. Si je fais un resolve CTL. Il a dit que son serveur c'était 10. Alors. Ah non, pourtant maintenant ça passe par exemple, Linux Affair. C'est bizarre cette affaire. Alors, si je regarde mes créations de trucs. Ah, il a créé les réseaux, l'image. Alors, ISP, libvirt volume, ISP2, DNS. Il est où l'ISP1? Ah, il le crée après? Est-ce qu'il aurait créé le l'ISP1 trop tard? Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ici. On va faire un petit ISP1 compute. Comment il est censé se mettre en place, lui? Parce qu'on a le routeur. On a ensuite...
On a un slip. On a une attente de 60 secondes, on a une attente de 30 secondes. Donc le VPS, lui, il attend que l'ISP1 soit fait. Et le DNS, il attend. Il attend ISP1. Ok. Et le VPS. Le VPS, il attend 30 secondes en slip ISP1. Et il dépend de du DNS. Donc ça, c'est bon. Et le DNS dépend du routeur. Donc jusque là. Ou alors, c'est qu'il faut que je mette un... Faut que je mette 60 secondes et pas 30 en fait. Alors, peut-être que 60 ça va être beaucoup, mais dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je vois pas comment ce serait d'autre. Et surtout, éventuellement, que je regarde à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une erreur, hein, quelque part? Alors, a priori, il a le gateway par défaut. System name server 192.168.122.1. Ok. Et il est bien 10.10.1.0.1. Et il a bien un forwarding en 10.1.0.1. Et l'allo, il autorise depuis 10.1.0.0/24. Ok. Je pourrais même être un peu plus généreux et dire carrément le slash 16, mais ça. A priori, on n'en a pas besoin pour le moment. Ok, la question que je me pose, c'est est-ce que, si je reviens ici, je vais me déconnecter de cette machine-là, et je vais aller sur l'ISP 2 DNS 1 pour voir dans quel état il est aussi. Ah, lui aussi, il a... Effectivement, j'ai pas DNS masque non plus, tiens. Il y a eu du grabuge. Alors. T'es où? Ouais, 10.2.0.1. En forwarding, ok. Et lui, je lui ai mis pareil, je lui ai mis moi en DNS. Ok. Donc jusque-là, tout va bien. Ou presque. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est ici aussi venir sur le compute. Et là, j'ai un slip à 60 secondes. Sur le DNS 1. Et lui, je lui ai pas mis de VPS, hein, je crois. Non, je lui ai pas mis de VPS. Ouais, donc je lui avais mis 60 secondes en plus. Ok. Bon, on va détruire, on va recréer, hein, on va voir ce que ça donne. Hop, allez, on destroy. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit duplicate resource. Ah! Ah oui. Time sleep. Eh ben sleep mort. Voilà.
Et donc le VPS, il doit attendre le DNS, et on va dire. Alors j'écris sleep more, mais je pense qu'il va falloir que je... Ça veut dire qu'il va falloir que je prévoie des trucs un peu mieux faits. Genre ne pas mettre la durée ou un truc comme ça. Mais bon, déjà, hop, comme ça. Référence tout. Oh là là, d'accord. Ah oui. Ok, ils attendaient tous que le DNS soit là, donc. Donc lui, normalement, c'est un slip de 30 secondes, en théorie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser en 30 secondes dans l'immédiat. Je sais que c'est moche, mais on va le laisser en 60 comme ça. Remarquez, il y a un truc qui me chiffonne. Si je reviens ici, que je me débranche. Hop. Alors. Haribo. Qui nous dit, concernant DNS Mask, qu'est-ce qui est censé provoquer son installation? C'est Cloud Init. Cloud Init est censé l'installer. Si on revient ici. Hop. Non, pas ici. ISP1, DNS, DNS1, User Data. Là, ici, DNS Mask. Et un peu plus haut, il y a de la conf pour DNS Mask. Sauf que, pour pouvoir installer DNS Mask, il faut que la machine puisse accéder à Internet. Et remarque, maintenant que tu en parles, si la machine n'a pas accédé à DNS Mask... il est où le routeur 1? Mais qu'est-ce qu'il aurait eu le routeur 1? Ouais, c'est ça, j'ai rien vu de... Default router, name server... En gros, le principe, c'est que le routeur pop, sa conf est poussée. Au moment où il pop, il y a un temps d'attente qui est déclenché pour que le DNS s'allume. Enfin, que la machine soit instanciée. Et normalement, lui, sa conf, c'est de dire je fais du NAT pour ce réseau-là, enfin, pour tous les réseaux pour sortir, et surtout je fais aussi forward DNS. Et mon forward DNS, et le forward DNS, il écoute sur 10.10.1.0.1. Et si je reprends ISP1 DNS1, il a mis en DNS 10.1.0.1. Donc soit il l'a fait trop tôt. Tiens, d'ailleurs ça aussi on va pouvoir l'enlever, fail to ban. Hop. Soit il l'a fait trop tôt. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de Terraform, je lui dis démarre plus tard. Donc en fait ici j'ai pas besoin de mettre 30 secondes, je peux laisser 30. En fait dans ce cas-là, ce serait peut-être ici où il faudrait que je fasse une duration encore plus longue. Parce que le routeur... Je vais regarder ce qu'il a comme conf. Ça, ça a l'air d'être bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus... Hop! Plus grand comme ça. 10.1.0.1, 10.1.2, 10.6, ouais, ok. 122.1. Donc ça c'est le 101, le outside, ok. Protocols BGP, service DHCP server. DNS forwarding, SSH, système, name server, ça c'est bon, il l'a. Ouais non mais il est configuré correctement, donc en fait à part rallonger le temps d'attente,
Dans l'immédiat, je vois pas où ça poserait problème. On va faire ça. On va faire un dernier. Allez, on va refaire un destroy. Voilà. Et on va refaire un apply. Et on va voir ce qui se passe. Ok. Allez. On apply. Voilà. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est me mettre sur le routeur 1, qui a dû déjà popper, normalement. Voilà. On va voir ce qui lui arrive. Alors, donc là il démarre, et normalement la configuration Cloud Init, voilà, elle commence à se. Donc là on voit Cloud Init s'est lancé. Là il commence à faire gérer les premiers trucs. Ça c'est parce qu'il voit qu'il y a des interfaces réseau, donc il essaie de les up. Et donc, eh ben, il va pas forcément pouvoir toutes les up, puisque ben, il va être tout seul sur certains réseaux. Donc, il va pas forcément trouver de DHCP. Sauf sur un. Mais je trouverais ça assez dingue d'avoir à attendre plus d'une minute après que lui, il ait démarré. Enfin, ouais, remarque, si son setup, à force de que je rajoute des confs dedans, il y a peut-être moyen que son démarrage dure plus d'une minute, hein, son démarrage initial. Ouais, voilà, ça fait déjà une minute. Bim. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, dans 5 secondes, il y a l'autre, là, qui va se mettre en place. Console, ISP, ISP1, DNS1. Voilà. Donc là, il en est à FRR, mounting. Ah, il a presque. C'est bizarre, pourquoi j'ai rien là dans le. Si je viens ici, ISP1. Timer. Il y a un truc. Ah! Cloud Init. ISP1, DNS1. Là, il commence à se déclencher. Est-ce que l'autre. Ok. Alors. Est-ce que c'est ça? Que là pour l'instant ça c'est il a généré là pour l'instant il a juste généré la host key, ce qui est normal. Est-ce qu'il a fait d'autres choses? Error during. Ah punaise, il s'est déjà planté. Ok, il s'est déjà planté. Donc en fait il a démarré 1 minute 10, ça suffit pas. Alors ça m'embête un peu de comment dire, je trouve ça assez comment dire, je trouve ça assez bancal en fait. Je trouve ça assez bancal. Explication. En gros, le principe, c'est que moi, ce que je veux, c'est que les routeurs soient prêts avant que les DNS soient instanciés. Et je veux que tous les routeurs, que chaque routeur soit prêt avant que les machines de leur sous-réseau soient instanciées. Et donc là, a priori, le démarrage initial et la configuration initiale des routeurs met plus d'une minute à se faire. Je dirais même plus d'une minute 10. Bon là, honnêtement, je pense que je peux déjà tout détruire, hein, parce que voilà, fail to enable unit, unit file, DNS mask en service does not exist. Là, le labo, il est rideau, il est rideau. C'est fini. Allez. Emballer, c'est peser, on peut détruire. C'est une excellente question. C'est une excellente question.
Haribo, c'est une excellente question. Je vais mettre. Allez, on va mettre 90 secondes. Mais ça me. Hop, voilà. Lui, normalement. 5. Donc lui, il n'existe pas. Enfin, vu le texte qui a indiqué là, le temps que ça se mette en route, je sais plus c'est quel composant. Voilà, le start job, Ronnie. Ah. A priori, il aurait un time-out à genre 5 minutes. Je suis perplexe, effectivement. Pourquoi ces interfaces mettent du temps à monter? Ça pourrait être une idée, Haribo. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que je pourrais comment est-ce que je pourrais le démarrer seul? Parce que là, en gros, au niveau de Terraform, c'est vas-y, démarre tout, quoi. Ah, là, il a démarré en ouais, 1 minute et quelques, en fait. Donc là, si ça se trouve, depuis le temps, il y a l'autre là. 5, hop. Alors, Cloud Init. Alors, il m'a mis quoi? Là, il a mis les clés. Il a l'air d'avoir démarré sans faire de chichi, là, côté le DNS1, donc c'est peut-être plutôt bon signe. Ah, ok, donc voilà. Là, il est en train de bosser. Ah, voilà, là, il est en train de se faire en mode mise à jour des repos. Mais oui, effectivement, c'est. Démarrer un routeur seul et creuser dans ses logs. Alors en fait, ce que je pourrais peut-être faire. Ce que je pourrais peut-être faire. Mais dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est que je démarre par ça la semaine prochaine, lors du live de la semaine prochaine. C'est que je fasse hors Terraform un routeur et des réseaux. Et deux réseaux, par exemple. Terraform peut lancer une partie de son plan. Oh bah tiens, pourquoi pas? Ouais, carrément, Haribo. Parce que là, je me disais, à la limite, créer une VM dans Libvirt et créer deux réseaux à la con, hein, sinon. Alors, voyons voir ça. Copy link, hop. Mais voilà, là il est juste en train de. Ouais, Hop, alors. Alors. Je vais zoomer un peu. Alors. Moins target égale ressources. Ok. Et multiples ressources. Ça pourrait être intéressant, puisque comme ça on fait les networks. Module, point, module.
Ok. Alors, in case you're using module, non. Name module, AWS instance. Ah, ça peut valoir le coup d'essayer. Ok. Alors, si j'ai pas de module. You simply need to remove the keyword module. AWS. Ok. Et on peut spécifier plusieurs targets. Ça, c'est cool. Ok. Ok. Alors. Bah, je pense qu'on va, on va faire ça après, là. Je voudrais juste... sudo pgrep DNS mask. Ok. Et il répond linuxfr.1. Ok, ça c'est cool. Est-ce que pendant ce temps les autres VM ont popé? Ouais, a priori tout le lab a popé. Donc on va aller sur ISP6VPS1, tiens. Ah. 10609. Ah, il a pas fini. Oui, il s'est viandé peut-être. Resolve CTL 10.1.0.53. Ok. Ok, bon, au moins ça répond. Et si jamais je me mets sur. Si je fais ISP4. Non, ISP3, tiens. ISP4, allez. ISP4, router 1. Hop. VIOS. VIOS. Si je fais un show IP BGP summary. Ça, ça a l'air d'être bon. Show IP route. Et là, j'ai tout le monde. 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, j'en ai 3 qui sont directement connectés et les autres via 10, 3, 4. C'est assez cool, hein, pour le moment. C'est assez équilibré. C'est la moitié des routes d'un côté, la moitié des routes de l'autre. Ça a l'air d'être assez un scénario limite idéal. Du coup, bah, je vais tout redétruire. Hein. Hop, je vais tout redétruire. Et puis, on va tester le truc de Haribo, tiens. Hein. Parce que ça m'a l'air d'être plutôt sympa comme truc. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un apply. Bon, je vais pas le mettre en auto-approve. Je vais d'abord. Hop. Alors, on va revenir. Là, donc a priori, je fais moins target égal. Hop. Et je regarde mes ressources. Selon mes ressources, moins target égal. Alors déjà, en termes de target, ce que je veux, c'est dans les networks. Et on va lui dire. Alors, comment il disait de faire, hop, AWS instance 2.example. Donc, ah oui, il faut que je fasse, ok. Donc là, il faut que je fasse libvirt network, target égal libvirt network, .ispnet. Donc ça, si je démarre que ça, alors déjà, je voudrais m'assurer que si je vais ici et que je fais détail, Virtual Networks, j'ai que Default et Next Default. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire que les réseaux ont été détruits. Donc là, si je fais juste ça... Alors, warning. Je crée un plan avec l'option Target. Ouais. Oui, effectivement. Ok, bah yes. Donc là, normalement, si je reviens... alors, je pourrais le faire via libvirt, hein, mais détail. Voilà, il m'a créé les réseaux. Ils sont actifs, ils sont juste pas actifs au démarrage. Ok. Ok, ça on est bon. Warning, normal. Ok. Donc après. Donc déjà la bonne nouvelle, Haribo, c'est que le truc marche. J'arrive, enfin en tout cas, dans pour l'instant, j'ai popé les réseaux. Ensuite, bah, je vais vouloir popper à... Alors, ce que je veux vouloir popper, ensuite, enfin popper, ce que je veux instancier, hop, si je vais sur le ISP1 compute, hop,
Il va me falloir le volume du routeur. Voilà. Donc il faut que je crée cette ressource là. Donc clipvirt. Remarque, est-ce que je peux directement lui donner ce qu'il va utiliser les dépendances? On va voir, tiens, on va le tenter tout de suite. Si je fais clipvirt domain ISP router 1.isp ISP 1 router 1. Hop. On va voir s'il l'accepte. 4 to add, 0 to change, 0 to destroy. Donc effectivement, hop, il dit quoi? Je crée le cloud init disk, ok. Et ensuite, libvirt machin, libvirt volume, ok, libvirt. Ok, très bien, allez, banco. Voilà, ensuite, on peut revenir ici, et on se connecte sur VRSH. Et donc là, normalement, voilà, Linux est en train de démarrer. Roulement de tambour, est-ce que... Bon, normalement, il va démarrer, hein. Ça, on est à peu près certain, hein. Ça, il n'y a pas de souci. 10 secondes, on se... Tiens. Ah non, voilà. Raise Network. Commence à patienter un peu. Là, c'est un peu ennuyeux parce que j'ai toujours pas de shell sur la machine. Donc, ça va être un peu le... Ah, il y a déjà 45 secondes et le truc, il patiente, quoi. Enfin, je sais pas s'il attend qu'il y ait un DHCP qui réponde, mais normalement, il y en a un. Il y en a un et les deux autres interfaces, bah, il n'y a rien du tout, quoi. Une minute. Une minute dix. Il a attendu une minute dix. Allez, monte la config et ensuite, là en toute logique, la config elle monte avec succès. Allez. Voilà. Configuration success. Alors, on se connecte. On va faire un petit sudo moins i tout de suite. Voilà. Var, alors, varlog, à mon avis, ça va être du systemd, donc je vais devoir naviguer dans journal CTL. Tiens, un fail log. Il y a quoi là-dedans? Il est 32 kilos. C'est quoi cette blague? Et il... Inspecte aussi les configs des interfaces vues par le système lui-même. Alors, les interfaces sont-elles en DHCP ou pas? Alors, à ce moment-là, oui, elles sont en DHCP. Très clairement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que après, tu as la conf. Enfin, en fait, c'est un Linux, mais c'est un Linux qui est quand même sacrément modifié. Puisque VIOS, tu as la CLI, Juniper-like. Et donc, si je fais un IP, un show IP interface, par exemple. Non, show interface. Voilà, hop, Ethernet. Hop, là, tu vois, il m'affiche qu'elles sont statiques maintenant, parce que la conf s'est montée. Puisqu'il a appliqué le cloud init. Par contre, avec un peu de chance, il y a des choses dans des MESG, peut-être. Alors. Non, DMSG, je vois rien.
Peut-être effectivement Warlock 6 log. Hein. Alors. Je vais peut-être faire un grep moins IETH. Hein. Ou ça... juste ETH là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Il a renommé les réens. Ok. Remarque, il faudra peut-être que je regarde avec DHCP alors. Live config debconf hostname device eth0 does not exist. Oula. All DH client. Je pense que c'est ça en fait, c'est les c'est DH client. Ça doit être DH client qui traîne. Qui traîne de plus en plus en fait. Ouais, on voit là, tiens, DH client, nos DHCP offer, if up. Pour ETH0. If up, trace back, punaise. Alors à la limite, ce que je suis en train de me dire, c'est il faudrait que je vois, je pense, si je peux demander à... Enfin, si je peux demander. En gros, est-ce que je peux faire en sorte, au niveau de Terraform, de booter ma VM avec des options noyaux. Et dans ce cas-là, ce que je peux faire... c'est balancer directement au système iOS en lui disant soit genre les interfaces selon les routeurs, soit tu les configures tout de suite, comme ça il attendra pas un DHCP, ou alors même tu les shut. Et de toute façon Cloud Init va les monter. Je pense qu'on essaiera peut-être de tenter ça la semaine prochaine. Parce que donc là, ça fait 2 heures à peu près. Et donc, on arrive à peu près sur la fin du stream. Hop, du coup, je vais me placer en mode comme ça. Finalement, un petit problème très intéressant. Sauf que... Alors, attendez, avant... Hop, je vais revenir comme ça parce que faudrait pas oublier un truc. C'est que j'ai des modifs non commités. Allez, on va essayer d'être... Hop. Si j'ai un petit guide diff, normalement ça va être assez... Ouais, allez hop, on va dire rename networks. Enfin un moins A en mode bourrin. Et on va dire global. Hop, global. Renamed networks. Except for ISP6 all 10.étoile.1.0 ça j'en ai 4. Voilà. Tac. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, hop là, on va pouvoir se remettre comme ça. C'est quand même un petit souci très intéressant, je trouve. Cette histoire d'interface qui met 1 minute à ne pas voir qu'il y a un DHCP. Mais je sais qu'on peut configurer le réseau sur la ligne de commande d'un système Linux. Donc si ça se trouve, il y a peut-être moyen de le faire. Remarque, c'est une image, c'est pas une ISO d'install.
Je sais pas si on peut donner des options au noyau Linux comme ça directement depuis, depuis Terraform. Mais je pense que c'est un truc qu'on va peut-être essayer de creuser la semaine prochaine. Voili voilou. Moi j'espère que ça vous a intéressé. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant ce soir. La bonne nouvelle c'est que du coup on a fini notre, boucle de routeur. Qu'on va bientôt pouvoir, une fois qu'on aura peut-être passé un peu de temps sur cette histoire d'interface qui met plus d'une minute à se configurer ou à voir qu'il n'y a rien à configurer, une fois qu'on aura fait ça, on pourra peut-être commencer à mettre en place des services. Et là, je pense que ça va être intéressant, très intéressant. Je pense qu'on essaiera de commencer à mettre des trucs en place de façon automatisée. Il y a peut-être moyen qu'on s'amuse. Je pense. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous avez hâte aussi d'y être. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont actuellement toujours sur Twitch. Mais l'idée, c'est quand même que cet été, j'espère pouvoir vous proposer d'autres replays sur la chaîne YouTube, dont vous pouvez trouver le lien d'ailleurs en bas. Sinon, à part ça, bah, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h, bon on a un petit peu dépassé ce soir, mais j'ai commencé un petit peu en retard aussi. Et habituellement les dimanches de 18h à 20h, sauf exceptionnellement le dimanche qui vient. Je vais essayer de voir si je peux pas, faire du coup un stream exceptionnel, peut-être en début de semaine prochaine. Généralement donc les lives du vendredi ont lieu sur ce sujet-là, donc le Lab as Code, cette maquette que j'essaye de faire en Terraform Cloud Init, et peut-être bientôt du coup en Ansible. Et les streams du dimanche, quand ils ont lieu, on fait joujou avec des conteneurs en utilisant Podman. J'essaye de, débroussailler le sujet des conteneurs en essayant de trouver des trucs intéressants. Notamment, bah, par exemple, on s'est penché sur... sur le stockage il y avait quelques temps, et là la dernière fois on a commencé à vouloir avoir plusieurs conteneurs qui communiquent les uns avec les autres, et certains d'entre vous m'ont en plus proposé justement des fichiers de configuration prêts à l'emploi. Donc je pense que lors du prochain stream conteneur, j'essaierai les fichiers de configuration qui m'ont été contribués, je devrais dire. Voili voilou, je vous propose pour se quitter qu'on regarde s'il y a du monde à raider. Et je pense que oui, nous avons un rancune à raider, ils sont déjà 27, donc on va aller leur rendre une petite visite. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous donne rendez-vous peut-être, si j'arrive à débloquer du temps, peut-être en début de semaine prochaine, sinon rendez-vous jeudi prochain, et d'ici là, amusez-vous bien. Allez, on lance le raid. Ciao, ciao! Hop. Allez. Écoute, c'est super. Oh, Nils vient de nous déclencher un raid. Merci beaucoup, Nils. Et bonsoir aux nouveaux arrivants. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, on était en train de parler un peu projet, bah, puisque vous arrivez. Bonsoir, Nils. Bienvenue. Et on parlait un petit peu du projet Gizmo qui va nous occuper ces prochains jours.